Et bonjour les matinaliers, matinaux du matin, il est 8h05, je sais, je suis à la bourre, je resterai du coup jusqu'à 9h, je pense. On est le mercredi 11 octobre 2023, j'avais dit que je serais probablement là ce matin, je suis là, j'ai pas été à la soirée hier soir du No Code Summit parce que je suis pas restée toute la journée, finalement je suis allée que le matin. Pour assister à la conférence à laquelle je devais assister. Et puis après, ça a été rester sur place avec tout ce bruit. Il y avait beaucoup de monde. Ils attendaient 3000 personnes, je crois, sur les 2 jours. Ce qui fait beaucoup. Dans un espace très restreint, la station F, où on était tous resserrés les uns sur les autres avec très peu de place pour nous. Donc comme on était 4 on était 6 sur le stand, où on était très très serrés avec un seul fauteuil pour 6. Du coup, dites-vous bien que c'était juste impossible. Donc, je suis partie, je suis rentrée hier après-midi. Et ouais, c'était intéressant de voir tous ces gens et de pouvoir parler du boulot avec des personnes qui comprennent et qui ne te prennent pas forcément de haut. Et en fait, si, il y en a quand même quelques-uns qui te prennent un peu de haut, hein, bien sûr, parce que bah, y a les gros et il y a les petits, et voilà. Donc... si ça vous intéresse d'ailleurs à propos de mon boulot, je ferai une petite présentation sur demande de quelques-uns des membres de la communauté. Une petite présentation de l'outil sans code, donc c'est du no-code. Hein. Et oui, il y a du no-code, c'est possible, sur lequel je travaille jeudi soir à 20h30, je pense à peu près, 20h30, 21h, sur le serveur Discord de la commu. Et je vais mettre le lien ici. Et hop là. Et donc, bonjour Manon, bonjour Farli, bonjour Yitindo, comment ça va ce matin? Ça va? La fin? Ouais? Ouais, je vais bien aussi, ouais, ça va. Ça va. Moi, ça va. Mon amoureux est malade comme un chien, mais moi, ça va. je me moque pas. Je me moque pas, mais... C'est, voilà. Dans le sens, pas nos codeurs. En fait, c'est nos codes... On en parlera plus tard. C'est no code, c'est sans code, mais il y a bien des codeurs derrière, enfin il y a des développeurs derrière, mais... bonjour Circa. Alors, bonjour Circica, bienvenue parmi nous, merci pour le follow. Alors en fait c'est des... Oh, il y a Loulou qui est là, regarde. Salut Loulou, ça va? Ouais, j'ai une queue noire, donc je me dis, c'est Loulou. Ça va Loulou, tu viens? C'est un logiciel qui te permet de monter des applications, mais sans coder, en fait. Donc, c'est plutôt pratique. C'est plutôt bien foutu, en plus. Et il y a un côté très satisfaisant, en plus. C'est du Scratch pour adultes. C'est quelqu'un qui a dit ça, je crois. C'est du Scratch pour adultes. Je sais pas ce que ça veut dire. Ta blague, c'est dans le sens panocodeur. Alors moi c'est vraiment du no code, c'est pas du low code, mais pas du dans le sens pas no codeur. Désolé, j'ai pas compris. J'essaye hein, mais c'est de voir qu'on est des gens sur des stands pour du no code. Ok, j'ai compris. Ouais, il y avait des gens alors que t'es censé pas coder quoi. Scratch, c'est un langage à but éducatif, d'accord. Méthodo, un outil de conception de programme, ok. Très bien foutu pour l'éducation, au développement et à l'algo. Ok. D'accord. Hop là, hop là. Bah alors, mon ventre qui fait des siennes. Bonjour Mimielus, comment ça va? Et regardez qui c'est qui est là. Il y a Loulou qui est juste là. Oui, petit Loulou, tu vas bien? Ça va ce matin? Oui, tu viens nous faire... Tu dis bonjour? Tu dis plus bonjour. Il est devenu très silencieux depuis qu'on a un nouveau chat ici. Il dit plus rien. Il est très silencieux. Ouais, j'ai compris des gens qui présentent parce que du coup, comme c'est pas codé, enfin, il n'y a pas de code, du coup, t'as pas besoin d'avoir des gens qui viennent présenter. Voilà, j'ai compris. Voilà, voilà. Donc, on a petit Loulou qui est là. Loulou, donc c'est mon chat. C'est mon chat à moi. C'est pas l'autre envahissant là. Alors ce matin, le sketch, ce matin, puis après on va commencer à lire l'actualité. Ce matin, je me suis réveillée à 6h et d'habitude, il y a Loulou, il vient se coucher à côté de moi.
Le matin, il vient se mettre au niveau de mon bassin, enfin, il se met contre mon ventre, quoi, et on fait des câlins. Et donc, ce matin, je me réveille, j'allonge un peu mon bras, et là, je sens une petite boule de poils toute douce, donc je me dis, ah, oh, c'est loulou, trop bien, et tout. Et en fait, je commence à lui caresser, mettre ma main comme je fais d'habitude avec mon chat, parce que mon chat, je peux vraiment le mettre ma main où je veux. Il adore quand je lui fais des gratouilles sur le ventre et tout. Enfin, je fais ce que je veux avec lui. Et donc, je commence à lui mettre la main sur le ventre, le gratouiller le ventre et tout. Et puis, je lui touche les pattes aussi, ce qu'il aime pas trop, ce qu'il aime bien. Loulou adore que je lui touche les pattes. Loulou, je lui dis, je fais ce que je veux. Et donc il bouge pas, et il est tout content. Alors je l'entends pas ronronner, donc c'est plutôt parce que l'autre chat ronronne énormément, mais Loulou il ronronne pas trop, donc s'il ronronne, je l'entends pas s'il est si loin que ça. Attends. Et je continue et tout, puis je me rendors et avec la main sur le chat, quoi. Enfin, genre tranquille comme je fais d'habitude, quoi. Je me rendors vers jusqu'à 6h30. Il était 6h, pareil. Je m'endors jusqu'à 6h30, 7h, un truc comme ça. Et là, je me réveille et je remets la main sur le chat. Il était toujours là, il n'avait pas bougé. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même, parce que lui, il fait pas ça depuis longtemps, il n'est pas revenu depuis longtemps, mais je suis contente, il est juste là, c'est cool et tout. Et en fait, c'était pas Loulou. C'était l'autre chat. Mais le chat, normalement, il n'aime pas du tout qu'on lui touche le ventre, il n'aime pas qu'on lui touche les pattes et tout. Mais là, il se laissait complètement faire, en mode ouais, je sais que tu dors, donc t'inquiète. Et donc, j'ai caressé l'autre chat, donc c'est chaton, il s'appelle chaton. J'ai caressé l'autre chat, ouais, on n'a pas des noms de chats très très élaborés, hein, faut pas trop pousser non plus. Donc, j'ai caressé l'autre chat, alors que je pensais que j'étais persuadée que c'était Loulou, donc j'ai failli perdre ma main. Parce que s'il n'avait pas été bien luné ce chat ce matin, bah j'aurais perdu ma main, je pense. Hein. Tout simplement. Bonjour Sianto, parmi nous. Bienvenue parmi nous. Voilà, j'ai du mal. Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Tu vas voir ici, on est bien. La commu est sympa. Donc, bref, sur ces entrechats, je vais ouvrir l'article, le premier article du jour. Le miaou à 6h du mat, on y a eu droit aussi, mais j'ai vite fait taire le chat. Mais je crois qu'il a compris maintenant. Il a compris que j'étais la première à me réveiller le matin. Du coup, il vient me chercher moi. Il vient pas chercher mon amoureux. Mon amoureux qui avait peur à un moment, il me disait ouais, je suis contente que tu sois du matin et tout. Je suis du matin, je me réveille à 6h le matin, sans réveil. Ouais, mais c'est récent, hein, c'est très récent. Ça date de l'année dernière. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des lives parce que je me réveillais tôt et que j'arrivais pas à me rendormir. Et finalement, je suis assez contente de faire des lives, en fait. C'est cool d'être là le matin. Avec vous, la commu, wesh wesh. Alors, on en était à cet article. Je sais pas si on va lire beaucoup de choses en plus, parce qu'il est assez long cet article. On va parler d'un sujet féministe. La mentrification. Alors, qu'est-ce que c'est que la mentrification? Quand les femmes font tout le boulot et qu'on ne se souvient que des hommes. C'est un mécanisme très très intéressant de la société patriarcale et de la misogynie. Un article donc France Inter par Marie-Jeanne Delepaule qui a été publié le 19 juin 2019. Alors je sais que c'est pas tout récent, mais pour moi c'est de l'actualité. Donc c'est de l'actualité personnelle. Donc je vous propose qu'on en parle un peu ce matin. Le terme de mentrification. Alors la physicienne Lise Meitner 1878-1968 a découvert la fission nucléaire, mais c'est son partenaire masculin qui a obtenu le prix Nobel pour leurs travaux. Oui, c'est de la ventrification. Je crois qu'on a toutes été plus ou moins victimes de ça. Peut-être pas toutes, mais beaucoup d'entre nous, toutes les personnes qui sont assez actives, qui font des choses, ont sans doute déjà été victimes de ça. Et moi, la dernière fois, eh ben, c'était il y a quelques semaines. Donc je vais vous raconter tout ça. Le terme de mentrification ne vous dit sans doute rien. Il a fleuri sur Internet il y a quelques mois. Ce néologisme, donc peut-être que maintenant ça vous dit un peu plus, même si c'est quand même très récent. Ce néologisme désigne l'invisibilisation des femmes dans l'histoire,
Elles ont pourtant eu un rôle clé, notamment dans le développement de l'informatique. Le rôle des femmes dans l'histoire a été dissimulé derrière des phallus. Dans un article du journal britannique The Guardian, publié fin mai, donc 2019, Van Badham ne mâche pas ses mots. La chroniqueuse y développe le concept de mentrification. Le terme a été inventé par des internautes sur un forum de discussion en ligne en septembre 2018. Partagée ensuite sur Twitter par un fan de Star Trek, l'expression s'est répandue sur la toile. En clin d'œil au concept de gentrification qui désigne l'embourgeoisement des quartiers populaires, la mentrification désigne ainsi l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Donc, la gentrification, c'est l'invisibilisation des pauvres dans les quartiers. La mentrification, c'est l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, tout simplement. Il suffit de connaître l'histoire du développement de l'informatique menée par des femmes pour se rendre compte que le récit a été repeint à la testostérone, ironise Van Badham. L'histoire n'a pas retenu leur nom. Au début du développement des ordinateurs, après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et au Royaume-Uni, les femmes étaient nombreuses dans la programmation et le calcul informatique, explique à France Inter Isabelle Collet, sociologue à l'Université de Genève et ancienne informaticienne. La raison est toute simple, hein, il y avait beaucoup moins d'hommes à cette époque, étant donné que beaucoup d'hommes sont morts à la guerre, malheureusement. Le premier programme informatique a été développé par une femme, Ada Lovelace, au XIXe siècle. Grace Hopper a inventé la compilation, un procédé informatique fondamental qui permet de traduire le langage machine dans un langage formalisé, mais proche de l'anglais, ce qui a permis de développer l'informatique de gestion. Ce sont des avancées majeures, ces femmes ont eu un rôle pionnier dans l'histoire, mais l'histoire n'a pas retenu leur nom, regrette-t-elle. Une actrice hollywoodienne à l'origine du Wi-Fi. L'exemple typique d'une femme dépossédée de sa création scientifique est sans doute Edith Lamarr, cette actrice hollywoodienne des années 1930, connue pour sa vie sexuelle sulfureuse, a inventé la technique du saut de fréquence utilisée dans le GPS et le Wi-Fi. L'armée américaine a récupéré son brevet et a exploité sa découverte juste après la Seconde Guerre mondiale. Son génie n'a été reconnu que des dizaines d'années plus tard. Jusque-là, on ne se souvenait d'elle que comme la plus belle femme du monde, souligne Isabelle Collet. Le rôle de l'actrice hollywoodienne Edith Lamarr, donc on voit ici qui est vraiment très belle, c'est vrai. Dans le développement de la technologie Wi-Fi n'a été reconnue que des années plus tard, trois ans avant sa mort. Comment expliquer que de nombreuses femmes soient tombées dans les oubliettes de l'histoire ? Au début, la programmation n'était pas un domaine valorisé, d'où le terme de software engineering en anglais, raconte la sociologue Isabelle Collet. C'était un métier très féminin, investi par des mathématiciennes autodidactes. Mais quand les logiciels ont commencé à avoir un rôle déterminant, l'informatique s'est professionnalisée, les femmes en ont été chassées. Pour la chroniqueuse du Guardian Van Badham, la mentrification désigne plus largement le maintien des structures de pouvoir, la culture traditionnelle reste masculine. Il faut donc casser les stéréotypes de genre qui assignent un sexe à chaque profession pour Isabelle Collet. Il faut montrer que les inégalités sont des constructions sociales. Il y a un grand mouvement dans les études de genre pour exhumer le rôle des femmes en sciences, dans les arts, en littérature. Certaines autrices du XVIIe siècle, par exemple, avaient pignon sur rue, mais leurs noms ont été complètement oubliés aujourd'hui. Et bonjour Franck, c'était pas prévu. Bah si, c'était prévu, j'avais dit que je serais là ce matin. Qu'est-ce que t'es pas prévu? C'est le mathématicien de la NASA, c'est typiquement ce qui leur est arrivé. Après, voilà, on va en parler. La NASA honore les figures de l'ombre, parce qu'elles ont été honorées quand même récemment. Les mentalités commencent à évoluer. En 2009, une journaliste britannique a lancé la journée Ada Lovelace pour rendre hommage à cette brillante mathématicienne. Le 12 juin 2019, la NASA a rebaptisé la rue où se trouve son siège à Washington en l'honneur de trois mathématiciennes noires des années 60, dont le travail s'est révélé précieux dans la conquête spatiale américaine. Leur histoire a été racontée dans le film Les figures de l'ombre, que je vous invite à voir parce que c'est un très très bon film. À Paris, la Gaîté Lyrique propose depuis le 14 mars et jusqu'au 14 juillet, donc 2019, désolé, une exposition intitulée Computer Girls, elle retrace l'apport des femmes dans l'histoire du numérique. La marque allemande de surligneurs Stabilobus a surfé sur la vague et lancé une campagne de publicité en juin 2018 pour mettre en valeur trois femmes reléguées au second plan de l'histoire. Elles sont là. Highlight the remarkable Catherine Johnson, the NASA mathematician responsible for the calculation resulting in Apollo 11's safe return to Earth. Donc c'est la responsable mathématicienne de la NASA responsable des calculs qui ont fait en sorte que Apollo revienne sur Terre.
Parmi elles, deux scientifiques, Katherine Johnson, mathématicienne pour la NASA, ses travaux ont permis à Apollo 11 de retourner sur Terre. Liz Meitner a découvert la fission nucléaire, ce qui a valu à son partenaire masculin d'obtenir le prix Nobel. Au-delà du seul champ scientifique, le travail de la dessinatrice Pénélope Bagieu a également permis de mettre en lumière des femmes héroïques dont le rôle a été invisibilisé dans l'histoire. Sa bande dessinée Les Culottés dresse par exemple le portrait de la gynécologue de l'Antiquité Agnodis, la danseuse et résistante Joséphine Baker ou encore la volcanologue Katia Kraft. Et je vous invite à regarder cette série parce qu'elle est vraiment chouette, vraiment très chouette. Voilà. Pionnière aussi dans la musique, bah oui, dans la musique électronique aussi, oui, oui. Alors, ce qui m'est arrivé, moi, je l'ai raconté un peu sur Instagram, c'est que, mais je sais pas si je l'avais déjà raconté, je sais pas si je voulais raconter à vous ici. Enfin, voilà. Il se trouve que cette année, depuis 5 ans comme ça, cette année, je suis encore là jusqu'à la fin du mois d'octobre, porte-parole d'un parti politique. Et tous les ans, et je suis aussi membre de ce qu'on appelle le Conseil des relations publiques, qui est un des 5 conseils de ce parti politique. Chacun des conseils est composé de 3 à 9 personnes, et chacun des conseils, tous les ans, doit faire un compte-rendu de toutes les activités du dit conseil. Et donc, toutes les activités du conseil, de la communication, le porte-parole, les porte-paroles, le porte-parolat, tout ce qui est public, publication, etc. Donc on doit tout expliquer, tout raconter, tout dire ce qu'on a fait pendant l'année, faire un bilan, quoi. Et tous les ans, depuis ma première année au porte-parolat, donc je l'ai fait pendant 4 ans, hein, du coup, je fais le bilan de toutes les activités qui ont été menées par le conseil et par tous les porte-paroles. Et donc, tous les ans, on est plusieurs à le faire, hein, c'est pas forcément que moi, mais s'il y a des choses qui sont oubliées par les autres, ou les porte-paroles, etc., ou si les autres n'ont pas le temps de le faire, en fait, c'est moi qui m'en occupe globalement et qui remet tous les travaux qui ont été menés par tout le monde, même si ils sont dans le conseil et même s'ils n'ont pas participé à la rédaction du rapport. Bonjour, donc, je suis sûre que ça va. Et là, cette année, j'ai pas vu passer le PAD. Donc, c'est un PAD, c'est un document partagé sur lequel on écrit chacun écrit, en fait, c'est un peu comme un Google Doc, en fait, mais avec des couleurs. Chacun écrit ce qu'il a fait, ou chacun participe. Et au final, ça nous fait un document conjoint, propre, avec la totalité des informations qu'on a voulu mettre dedans. Donc j'ai pas vu passer le PAD parce que je suis partie du serveur Discord parce que c'était trop toxique en fait dans l'organisation, donc j'ai pris un peu de distance et j'ai quitté le serveur Discord et donc j'ai pas vu le lien parce qu'il l'envoyait que sur le serveur Discord et j'ai pas vu le lien, donc j'ai pas pu participer à la rédaction de ce PAD et donc j'ai découvert le bilan du Conseil des relations publiques qui a été déposé auprès de l'Assemblée permanente, donc de l'Assemblée statutaire tous les ans, donc tous les ans doit être déposé auprès de l'Assemblée statutaire, et dedans il y avait absolument aucune de mes contributions. Et donc on m'a dit donc j'étais un peu j'ai vu le compte rendu, j'ai fait non mais sérieux, il n'y avait rien, il n'y avait vraiment absolument aucune de mes contributions. C'est-à-dire qu'il y avait un truc marqué, il n'y avait même pas mon nom à côté, en fait. Il n'y avait pas marqué « c'est elle qui a participé à ça », en fait. C'était juste marqué « participation à ça ». Et tous les autres trucs que j'avais fait dans l'année, des articles que j'ai publiés, des interviews, des actions qu'on a menées, il n'y avait absolument rien qui avait été transcrit dans le compte-rendu. Donc ouais, forcément, ça m'a vachement énervée, parce que je me suis dit, moi, tous les ans, je me casse le cul à chercher sur tout le site internet du parti, sur tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a publié, etc. Ou c'est pas moi, ou c'est d'autres personnes qui le font, mais tous les ans, on se casse le cul à faire tout pour tous les autres. Et là, cette année, moi, j'ai pas participé parce que j'avais pas vu le lien et j'avais pas eu l'information qu'ils étaient en train de bosser dessus. Je m'attendais pas à ce qu'ils déposent quelque chose, parce que je pensais qu'ils allaient même pas y penser, en fait. Comme ils font jamais rien, du coup, je me suis dit, ils vont pas le faire encore cette année et on va se retrouver à devoir le déposer au dernier moment, quoi. Et en fait, ils l'ont fait, mais ils ont absolument rien mis de ce que j'ai fait. Donc je sais pas si c'est par vengeance ou pour d'autres raisons. Le fait est que la plupart des membres de ce conseil sont des hommes. Et que la réponse qu'on m'a donnée, c'est « t'avais qu'à le faire ».
Du coup, je l'ai mal pris, quoi. Enfin, je l'ai super mal pris. C'est genre, ok, donc en gros, je me casse le cul tous les ans depuis 5 ans pour faire le taf. Et je me suis cassé le cul cette année pour faire tout un tas de trucs pour l'organisation. J'ai bien fait, enfin, j'ai bossé de ouf, quoi. Enfin, j'ai pas bossé tous les jours, mais j'ai bossé beaucoup plus qu'eux. Même quand j'ai arrêté de bosser, je bossais beaucoup plus qu'eux. Et là, j'arrive devant, je vois le compte rendu, je me dis, mais sérieux, mais qu'est-ce que. Enfin, pourquoi en fait? Mais pourquoi quoi? Ils ont pas tellement l'habitude que tu le fasses, que du coup, ils en ont profité pour rien foutre. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, je l'ai très mal pris, du coup. Alors, il y a aussi dans le groupe, il y a aussi une autre femme. Et du coup, le fait qu'elle soit rentrée dans ce jeu-là et qu'elle n'ait pas non plus complété avec ce que j'ai pu faire, je trouve ça déplorable, en fait, ce que je me dis, mais. Enfin, c'est le truc du féminisme, c'est aussi que tu vas essayer de faire en sorte que les femmes qui sont aussi dans ton rôle soient bien traitées et ou même pas forcément dans ton rôle, mais les femmes autour de toi soient bien traitées et juste respectées, quoi. Et là, enfin, j'étais hallucinée par le manque total de respect pour le travail que j'ai mené, mais de la part de tous les autres membres. Et je me dis, elle se prétend féministe, mais de où t'es féministe en fait? De où tu enfin, de où en fait? C'est on se je sais pas, moi j'aurais jamais fait, enfin j'aurais mis tout ce qu'elle a fait, enfin j'aurais fait le compte rendu proprement, j'aurais mis tout ce qu'elle a fait, quoi. Si ça avait été moi, j'aurais mis tout ce qu'elle a fait, surtout si elle avait bossé autant que j'ai bossé, quoi. Et du coup j'étais hors de moi, quoi. J'étais vraiment hors de moi. Je trouve que j'ai assez bien réagi pour quelqu'un qui était hors de soi. Ouais, bonjour la sororité. Ouais, bon, la sororité, c'est à deux vitesses, hein. Tout point commun avec le rapport aux tâches ménagères, ça aurait peut-être pas fortuit. Ouais. Bah, c'est. Ouais, peut-être, je sais pas. Il s'attendait à ce que moi, je les remercie pour m'avoir complètement maîtrifiée. Bah, je sais pas. Pour le coup, alors, ce que vous dites d'eux vous regarde. Moi, je vais pas les insulter parce que j'estime que je suis encore prête à les pardonner si toutefois ils sont prêts à s'excuser, hein, de leur comportement. Mais clairement, ouais, c'est inacceptable. Ce genre de choses est inacceptable. Traiter une femme de cette façon-là est inacceptable. Surtout quelqu'un qui a énormément fait pour l'organisation, comme moi. Même quelqu'un qui aurait pas beaucoup fait, enfin, traiter une femme de cette façon, c'est pas acceptable, en fait. Dès lors qu'on a des choses à dire, ou dès lors qu'on est censé être. J'en sais rien, au moins que le travail qui a été fait soit listé, même si on ne disait pas mon nom, c'est pas grave. Du coup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le bilan et j'ai remis toutes les participations que j'ai pu avoir moi. Donc ça a doublé la taille du bilan. J'ai enlevé plusieurs choses que eux ont dit qu'ils avaient fait alors qu'ils n'ont pas encore fait. Parce que en fait, ils ont dit qu'ils avaient fait un droit de réponse machin, mais en fait le droit de réponse il n'est pas encore publié, donc il n'a pas été envoyé. Ils ont dit qu'ils ont écrit un communiqué machin, mais le communiqué il n'a pas encore été envoyé. Alors voilà, du coup il y a plein de trucs qu'ils ont dit qu'ils avaient fait alors que c'est pas fait. Et par contre, ils ont pas dit tout ce qui avait été fait sur l'année, en fait. C'est ça qui est déplorable, quoi. Normalement, les femmes doivent se soutenir dans une orga, mais une orga politique, c'est plus compliqué, j'ai l'impression. Ou alors, c'est les femmes ont tendance à peut-être oublier que le féminisme, c'est pas seulement des paroles, en fait, c'est aussi des actes. Et là, salut Flymic. Et là, en l'occurrence, là, le féminisme dans cette organisation, moi, j'attends toujours. Hein. On m'en a parlé, on m'a dit que c'était une organisation féministe, mais visiblement, c'est pas le cas. Visiblement, c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, la façon dont les femmes se comportent avec moi, enfin, pas toutes les femmes, mais la façon dont certaines femmes se comportent avec moi dans cette organisation, moi, clairement, j'aurais jamais fait ça. Jamais. Jamais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à l'une d'entre elles. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Enfin, moi, je t'aurais jamais fait ça, en fait. Jamais j'aurais fait ça. Jamais, à aucun moment, je t'aurais fait un truc pareil. C'est juste, tu m'enfonces, tu me harcèles moralement, mais à aucun moment, moi, j'aurais fait ça. C'est jamais je t'aurais fait ça à toi. T'es une femme dans une organisation politique. Le minimum, c'est juste de se soutenir mutuellement. Si on voit qu'il y en a une qui va pas ou qui s'en prend plein la gueule ou quoi, on va pas l'enfoncer, en fait. Au contraire. On va essayer de l'aider, on va aller la voir, on va lui poser des questions, on va s'interroger, on va peut-être essayer de prendre un peu de recul aussi et de ne pas se sentir visé. Enfin, si on voit qu'il y a une femme qui va pas bien, tu l'enfonces pas, en fait.
tu réfléchis un minimum, un peu, tu prends, je sais pas, tu discutes avec elle, tu lui poses des questions, tu prends pas les choses personnellement, parce que c'est pas toi le problème, en fait. C'est elle qui a un problème, mais c'est pas toi le problème. C'est la femme qui a un problème, pas toi derrière qui a un problème. C'est, voilà. Donc, moi, j'aurais jamais agi de cette façon-là. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Et ça m'est déjà arrivé de parler de certaines femmes, etc., il y a longtemps. Je le ferai plus. Et je ne l'ai pas refait depuis, je sais pas, ça va faire 5-6 ans que je n'ai pas refait ça. Retravailler, re-enfoncer des femmes politiques. Ça, je veux plus le faire, quoi. Je veux plus jamais faire ça. J'ai déjà dit à des membres dans l'organisation de pas enfoncer des femmes politiques, même si on n'était pas d'accord avec elles, même si on avait des choses à dire, on les enfonce pas. On peut s'opposer sur les idées, etc. Mais on peut pas enfoncer des femmes qui sont déjà à terre. Tu fais pas ça. Des femmes qui sont déjà harcelées, des femmes qui sont déjà la cible de tout un tas de vindictes, tu les enfonces pas. Tu réfléchis un minimum, tu vois. Mais là, moi, ça fait des mois qu'il y a des hommes dans cette organisation qui essayent de m'enfoncer, qui essayent de m'effacer aussi. Donc, j'ai dit qu'ils m'avaient effacé complètement. Et ils ont dit, ah ben non, on n'a rien effacé, t'avais rien écrit. Les gars, je sais pas, juste réfléchissez un petit peu, prenez juste 2 minutes pour réfléchir à ce que je viens de dire, en fait. L'effacement, c'est pas j'ai écrit des choses, vous les avez effacées. L'effacement, c'est juste j'ai fait des choses, vous les avez pas mises dans le compte rendu. C'est ça, l'effacement. Et wow, c'est compliqué de réfléchir. Hein. Quand t'es un homme, visiblement, c'est compliqué de réfléchir. Hein. C'est un problème de décence de base avant même d'être un problème de masculinisme. Je bosse dans une structure composée d'environ 80% de femmes, je cherche la sororité. Ouais, mais c'est ça aussi, les femmes entre elles, parfois, elles sont d'une violence rare. J'ai vécu ça aussi hein, dans mon engagement professionnel, militant. J'étais en face de femmes qui étaient assez violentes et invivables, quoi. Enfin, definition of done. Je devrais faire un atelier dessus, ouais. Bah oui, bien sûr, je pense que c'est ça, que je dérange par mon taf, que ça les fait chier. Parce que je me fais moralement harceler depuis 6 mois, là. Et ils se rendent pas compte hein, qu'ils me harcèlent moralement. Mais j'ai fait des choses, en fait. Et je me fais harceler moralement depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, du coup, je fais plus rien. Enfin, je fais des choses, mais je fais beaucoup moins de choses qu'avant. Et même en faisant beaucoup moins de choses qu'avant, je fais plus de choses qu'eux, en fait. Et bien sûr que ça les fait chier parce que j'ai fait des choses. Je pense que c'est ça. C'est dur. C'est dur. Bon, en tout cas, là, ça s'arrête. Donc, à la fin du mois, c'est terminé. Et à la fin du mois, enfin, là, ils m'ont reproché d'avoir tenu certains propos dans ce cadre-ci, en fait, ici. Je dis pas que je suis. Je m'exprime pas en tant que porte-parole ici. En fait, je m'exprime en mon nom propre. En fait, je m'exprime pas au nom d'une organisation quelle qu'elle soit. Je pourrais être porte-parole de plein de trucs différents. Je suis sur ma chaîne, en fait, donc je suis libre de mon expression. Si elle pose problème, dans ce cas-là, c'est à l'organisation de remettre en question les mandats qu'elle attribue. Et dans ce cas-là, c'est à l'organisation de me destituer. Moi, là, il n'y a aucune raison que je sois destituée, en tout cas de cette organisation, parce que j'ai rien. À aucun moment, j'ai porté préjudice à l'organisation. Déjà, aujourd'hui, je ne l'ai pas nommée. Bah, après, c'est facile de savoir de quelle organisation je parle, évidemment, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas nommée. Et globalement, je ne dis pas, moi, en tant que porte-parole de cette organisation, je m'exprime ici en disant que cette organisation défend ça. Je ne vais pas faire ça. C'est pas, et c'est ma chaîne, en fait. J'ai droit ici dans ma chaîne, sur ma chaîne Twitch, sur mes réseaux sociaux, dans les endroits que je gère, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je suis libre de mon expression, en fait. Et c'est ça que ces gens ont du mal à comprendre. La misogynie ordinaire, ouais, c'est ça. Salut Zaza, ça va? Déjà qu'on doit respirer, si en plus on doit réfléchir, on s'en sort plus. Mais ouais, il y a des moments où tu te dis, bah, ça sert à rien de bosser, de faire des choses pour les gens, et si au final t'es remercié comme ça, autant arrêter, quoi. Autant juste rien faire. Et là, bah. J'ai pas envie de continuer à faire quoi que ce soit pour cette organisation. Déjà parce que ça fait des années que je m'en prends plein la gueule parce que je suis investie. Bon courage Zaza pour ta journée de travail. Mais moi, je m'en prends systématiquement plein la gueule dès qu'il y a des personnes. Enfin, en fait, dès que je fais une critique, parce que
Moi, les gens, ils ont le droit de critiquer ce que je fais, je dois rien dire. Par contre, dès que moi, je fais la moindre critique, j'ai pas le droit, en fait, de faire de critique. Moi, je dois juste dire... En fait, je dois juste faire ce qu'on me demande de faire. Sauf que, bah non, en fait. Déjà, je suis pas salariée. Et même si j'étais salariée, je suis militante, je suis engagée. Et j'ai le droit, en fait, de dire, bah non, j'ai pas envie de faire ça. Là, j'ai pas envie de faire ça. Donc là, moi, je vais pas participer à ça. Je vais juste vous laisser vous démerder, débrouillez-vous avec votre projet à la con. Et c'est arrivé plusieurs fois comme ça que je disais, et ça fait depuis longtemps, hein, depuis que je suis engagée dans cette organisation, dès qu'il y a un projet à la con qui me plaît pas, je dis non, non, maintenant là, je vais pas faire ça, je vais pas participer à votre projet, c'est un projet à la con. Moi j'ai un autre projet, je vais faire mon autre projet, et peut-être si vous avez envie de vous greffer à mon autre projet, bah, venez, vous êtes les bienvenus, mais je vais pas, moi je vais pas travailler sur votre projet. Et plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont emmerdé à cause de ça, parce que je voulais pas travailler sur leur projet. Mais désolé, mon temps c'est moi qui décide de comment je l'emploie en fait, il y a pas de... Et puis bah, en fait, pas désolé. À l'image du parti stalinisme sur eux, c'est ça. Mais oui, mais je le truc c'est que j'ai été élue sur la base de ce que je suis et j'ai pas changé ce que je suis en fait. C'est juste que là aujourd'hui, ce que je suis dérange. Ça ne dérangeait pas jusqu'à il y a 6 mois. Et en fait, ça ne dérange pas en fait. Je pense que ça ne dérange pas. Ça dérange juste 2 ou 3 personnes. Enfin, du coup. 5 personnes, mais 4 personnes même, non, 5 personnes, ça dérange pas plus que ça. Ça dérange juste ces personnes-là. Et les autres, a priori, peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont pas exprimés, mais que ça dérange aussi. Mais je pense que s'il y avait une volonté de me destituer, elle serait déjà déposée et elle serait déjà votée. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de volonté de me destituer. Aucune personne n'a envie de me destituer. Juste, je termine mon mandat, je finis à la fin du mois et c'est terminé après. Donc voilà. Bah ouais, bien sûr que sans moi, bah, les projets vont avancer à leur rythme, hein, mais c'est il y a des personnes qui bossent sur les projets, bah il va y en avoir d'autres. C'est pas grave. Si moi je suis plus là, il y aura d'autres personnes qui travailleront. C'est juste qu'on traite pas les gens comme ça, en fait. Ça se fait pas. Enfin, moi, il y a 6 mois, il y a un gars qui est venu me voir, il me fait « Bon, écoute, Florie, ce que tu dis, ça va pas, ça plaît pas à tout le monde. Non, tu fais de la politique, ce que tu vas dire, ça plaît pas à tout le monde, clairement. Tu peux pas plaire à tout le monde, surtout en faisant de la politique. Mais ce que tu dis, ça plaît pas à tout le monde, tu devrais démissionner. Je te dis ça en tant qu'ami. » Et depuis, en fait, depuis, il n'a pas arrêté de m'enfoncer le plus possible, d'aller chercher des gens qui m'aiment pas pour m'enfoncer encore plus et de monter la tête de gens et tout. Et au final, je me suis retrouvée complètement sous l'eau, sous une série de vindictes du genre « Ouais, ce que t'as écrit, c'est des menaces, c'est déloyal. » Bah non, c'est pas des menaces, c'est pas déloyal. Quand je dis je serai plus élue, mais après mon mandat, je serai toujours là et je vais continuer à surveiller ce que vous faites et que cette organisation soit pas entre les mains de personnes malveillantes et que si jamais c'est le cas, je serai là pour le dire, c'est pas des menaces envers l'organisation. C'est plutôt des menaces envers les personnes. Mais les personnes qui se sentent morveuses peuvent se moucher. Voilà, c'est juste ça. Donc ouais, non, il n'y a pas de, y a pas de menaces, il n'y a pas de déloyauté, ni quoi que ce soit. Bienvenue, Bisraban, parmi nous. Merci pour le follow. Féminisme dérange ceux qui auraient voulu que tu sois l'équivalent d'une serpillière. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Bah, c'est du harcèlement moral, c'est-à-dire que c'est insidieux, c'est quelque chose que tu vois pas jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait c'en est. Et c'est tout le temps, régulièrement, des petits trucs, des petits détails, tu vois, des trucs à la con, genre, il publie un tweet qui va faire un appel, c'est un appel au troll, et c'est un appel à trouver des personnes pour m'enfoncer, en fait. Et quand je lui fais signaler, en fait, il me dit, mais non, tu te fais des idées, il faut que tu arrêtes de réagir, machin, tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est insidieux, en vrai. Et au fur et à mesure, bah, ça monte en puissance jusqu'à atteindre des sommets où tu te retrouves à venir en réunion, à voir 5 personnes qui parlent de toi et qui te cassent du sucre sur le dos alors que t'es pas là. Et quand tu te connectes, tu dis, les gars, ça fait 45 minutes que je vois mon prénom passer dans vos messages. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de parler de moi? Pourquoi vous parlez de moi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et ils sont là, ouais, tu comprends ce que t'as dit sur Blue Sky, c'est pas bien.
faut se calmer, faut se détendre, faut prendre 2 minutes, respirer un petit peu, puis peut-être venir me parler. Ouais, mais tu comprends, quand on vient de parler, tu réponds mal. Je réponds mal généralement quand on me dit de fermer ma gueule, tu vois. Donc, c'est juste. Il y a un mec qui est venu me parler, il me dit bon, écoute, ce serait bien que tu calmes le jeu. Voilà, c'est ça, c'est un autre moyen de dire de fermer sa gueule. Ce serait bien que tu calmes le jeu quand même, parce que bon. Voilà, ça plaît pas trop ce que tu dis et tout. J'ai répondu ok. Et depuis, il est plus jamais venu me parler. Donc, et après, ils disent ouais, mais tu comprends, on a essayé de venir te parler, mais tu réponds mal. J'ai juste répondu ok, c'est tout. Hein. J'ai pas répondu plus. Et le mec a rien dit de plus, quoi. Mais il faut que je ferme ma gueule. Alors lui, par contre, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Il peut dire tout ce qu'il veut, des trucs qui vont pas du tout dans le sens de l'organisation, aucun problème. Mais moi, non. Ça faisait des années que j'hésitais à prendre l'inscription parce que tu faisais le taf, j'allais basculer, ben du coup non mais le faites pas, enfin ne rejoignez pas cette organisation, vraiment fuyez loin. La politique globalement dans un parti politique ça sert à rien. Bah moi je rentre dans les dents des gens aussi, tu vois, mais sauf que du coup ça plaît pas non plus quand je me défends, dis bah que je suis pas bienveillante, tout ça. Tiens d'ailleurs ça me fait penser, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Mais je pense qu'on y reviendra plus tard, parce que là, sinon, on va y passer la matinée. Quand tu parles d'organisation, tu parles bien du comité des fêtes de ta ville. Je comprends, depuis qu'ils ont voulu organiser un loto pour les pompiers, il faut bien aller trouver des lots. C'est pas toi d'aller faire des courses pour le panier garni. Une fois que tu y seras plus, ce sera compliqué pour organiser le carnaval, mais tant pis. C'est ça, j'ai pas. Plaire à tout le monde, c'est impossible, on est d'accord. C'est ça. Bonne journée, Franck. À bientôt. GG, ton travail militant féministe. Bye, bah ouais, c'est ça. Si tu milites sérieusement et que tu veux faire avancer le schmilblick aussi, ça va déranger les petites frappes de service qui sont dans la posture. Ouais, bah ouais. Forcément. Mais le passif-agressif... Après, c'est... Moi, on m'accuse d'être passive-agressive. Alors, je réponds généralement... Non, non, moi, je suis pas passive. Hein. C'est pas bienveillant. Ça, c'est juste... Non. Alors, j'aimerais bien savoir de qui tu parles, Manon, mais en privé, tu m'en parleras. Bonjour Alexis, comment ça va ? Occasion, il faudra que tu me passes tes références du livre de Simone Veil sur la politique et le féminisme. Alors, c'est pas Simone Veil avec un V, c'est Simone Veil avec un W. Alors, c'est pas la politique et le féminisme. Elle a surtout parlé de... elle a surtout parlé des partis politiques, mais politique et féminisme, je sais qu'elle a parlé de pas mal de choses. Après, a priori, l'enracinement est intéressant. Sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Peut-être que c'est ça, faut voir. Dans un parti, ça sert à faire les petites mains pour les autres. Ouais, c'est un peu ce que j'ai vécu, moi. C'est un peu ce que je vis. Bon. Enfin, bref. Comme on dit. Je vais juste mettre ça en lu. Ouais, ça, c'est bon. Excellente autrice, Simone Veil. Je vous invite à la lire. Justement, au sujet des partis politiques. Elle a écrit une note sur la suppression des partis politiques. Ça, j'en parle régulièrement, mais... Un jour, on en fera la lecture ici. Je sais pas si c'est Simone Veil dont j'ai parlé lundi. Je suis pas sûre, mais la note sur la suppression des partis politiques est un bon départ. Après, j'ai pas lu autre chose de... J'ai pas lu de féminisme, d'écriture féministe de sa part, mais... J'ai peut-être pas lu grand chose de la part de Simone Veil. Ce que je trouve fascinant, c'est que ça met en avant un rapport toxique au pouvoir, même quand il n'y a aucun enjeu. Parce que bon, c'est pas dans cet orga qu'on risque d'avoir accès à des mandats aux ressources financières fabuleuses. Bon, on parle de personnes qui ont des mandats, hein, là. C'est des personnes qui sont élues. J'ai pas supprimé mon Twitter. Depuis la naissance. Attends, on va remettre à zéro. J'ai pas supprimé mon Twitter, mais je l'utilise plus pour parler, pour exprimer mes avis. Je l'utilise que pour poster des trucs sur ce que je fais au quotidien. Note sur la suppression générale des partis politiques. Alors, on va remettre.
Téchant, une crise de couple donc, t'en fais un reportage. Depuis la naissance de sa fille, il y a 6 mois, Mandy n'a pas perdu tous ses kilos de grossesse et continue même à en prendre, au grand désespoir de son compagnon Nicolas. Aujourd'hui, le jeune homme ne reconnaît plus sa compagne qui était, il y a un an encore, très coquette et sexy. J'ai l'impression de travailler à rien, je suis inexistante. Je fais limite partie des meubles, quoi. Et voilà. Mal dans sa peau, Mandy a perdu confiance en elle. Alors, le simple fait de voir Nicolas regarder de jolies filles à la télévision la rend jalouse. La jeune femme prend cela pour de la provocation. Plus fort que moi de voir des jolies filles à la télé, parce qu'à l'époque, c'était comme il fallait. Mandy se néglige, un laisser-aller que Nicolas ne supporte pas. Si Mandy ne s'attarde plus devant le miroir, Nicolas, lui, soucieux de son apparence, prend le temps de se faire beau. Agacé de voir Mandy ne plus faire aucun effort pour soigner son look, le jeune homme préfère fuir la maison dès qu'il le peut. EOV, Téchant, une crise de couple donc, t'en fais un reportage. Je trouve ça hallucinant. Ouais, body shaming. Ouais, c'est bien, on parlait bien de mandat hors orga. C'est bien des élus locaux. Je dis bien que les personnes en question, les personnes là qui contribuent à me harceler, certaines d'entre elles ont bien un mandat d'élu local. Ouais, c'est une enquête spéciale ou ce genre de truc là, les émissions à la con qu'il y a sur certaines chaînes de télé, qui a été adaptée avec des chats. Voilà, c'est pour ça, clairement, c'est du body shaming, c'est pas bien et tout, mais c'est amusant hein, de voir ça appliqué à des chats, pauvres minous, quoi. Bref. Donc un thread qui nous a été envoyé par M. Gougloff sur Solidaire Informatique Jeux Vidéo, enfin de Solidaire Informatique Jeux Vidéo, du mardi 2 octobre, enfin du 4 octobre, pardon. Ce mardi 2 octobre, plusieurs ex-cadres d'Ubisoft sont placés en garde à vue et entendus par la police dans le cadre de l'enquête au sein de l'entreprise pour harcèlement sexuel systémique. On va rester dans le thème. Pour rappel des faits, fin juin 2020, une vague de témoignages relayés ensuite par la presse accablait l'entreprise sur une culture interne d'abus et de silence. Les employés dénonçaient à la fois des pratiques diverses de harcèlement généralisé à travers le groupe et une impunité garantie aux harceleurs par la complicité des ressources humaines et de la direction du groupe. Face à ces accusations, Ubisoft répondait en laissant partir certains harceleurs trop visibles et rarement par licenciement, et en mettant un ensemble de mesurettes sans effet notable. Les ressources humaines ayant couvert des agissements toxiques n'ont pas été inquiétées et ont été promues. Solidaire Informatique accompagne plusieurs victimes et dépose plainte en juillet 2021 contre un ensemble de cadres et de ressources humaines, ainsi que l'entreprise pour harcèlement sexuel systémique. C'est-à-dire pour avoir laissé prospérer du harcèlement, parce qu'il était considéré comme plus profitable par l'entreprise de laisser des prédateurs en poste que de protéger des salariés. Sur une idée d'ailleurs appuyée par les propos de Madame Cécile Cornet, DRH du groupe, repris dans l'article de Libération, Yves est OK avec un management toxique tant que les résultats de ses managers excèdent leur niveau de toxicité. Quelle horreur. Alors, c'est un article réservé aux abonnés ici, donc je ne vais pas pouvoir le lire, mais je vous le mets dans le Discord, si on arrive à avoir le lien. On va pouvoir regarder ça plus tard. Par contre, enfin plus tard, hein, parce que là on n'est vraiment pas du tout arrivé à cet article-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire avant. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'actualités avant ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Par contre, il y a le dépôt de plainte ici. Ubisoft, en juin 2020, les dizaines de témoignages émergeaient sur les réseaux sociaux, rapidement appuyés par des articles de différents médias, Libération, Numérama notamment, dénonçant des cas de harcèlement sexuel au sein du groupe Ubisoft, avec la complaisance des services des ressources humaines, protégeant les harceleurs et réduisant les victimes au silence. Très rapidement, Solidaire Informatique a annoncé lancer une action collective contre le groupe Ubisoft. Le 15 juillet 2021, une plainte a été déposée au tribunal pénal de Bobigny par maître Maud Beckers, représentant à la fois le syndicat Solidaire Informatique et plusieurs victimes de l'entreprise.
Cette plainte cible plusieurs personnes, notamment Tommy François, membre du pôle éditorial, pour avoir profité de sa position pour harceler de multiples personnes. Serge Asquette, directeur créatif Monde, pour avoir profité de sa position pour harceler de multiples personnes, témoin des faits de ses subordonnés, il n'a pourtant rien fait pour les arrêter. L'assistante de Serge Asquette, pour avoir profité de sa proximité avec M. Asquette et harcelé de multiples personnes. Plusieurs personnes, services des ressources humaines, pour avoir activement participé à couvrir et dissimuler des actes de harcèlement. Les actes des harceleurs. Cécile Cornet, directrice Monde des ressources humaines, au courant des faits, elle a laissé le harcèlement prospérer au sein de l'entreprise. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, en tant que PDG, il est responsable de ce qui arrive au sein de l'entreprise. Plus important, la plainte vise le groupe Ubisoft en tant que personne morale pour harcèlement sexuel institutionnel, pour avoir mis en place, maintenu et renforcé un système où le harcèlement sexuel est toléré, parce qu'il est plus profitable à l'entreprise de maintenir des harceleurs en place que de protéger ses employés. Le harcèlement toléré est pratiqué par les hauts échelons de l'entreprise protégés par les services des ressources humaines ont créé un système à l'échelle de l'entreprise. Au-delà de la liste de personnes précédemment mentionnées, ce sont les rouages de ce système que cette plainte veut démonter. La nature collective de cette plainte permet à toutes les personnes qui ont été victimes du groupe Ubisoft de rejoindre cette action. Nous les appelons donc à prendre contact avec nous, que ce soit pour témoigner ou comme pour porter plainte. Il n'est pas nécessaire d'être syndiqué. Les éventuels frais de justice sont pris en charge par le syndicat, nous garantissant une confidentialité totale et un accompagnement juridique. Et voilà. Salut Rosco. Ubisoft doit rendre des comptes. Et ça, alors, du coup, c'est quoi ? Donc, on est aujourd'hui devant le tribunal de Bobigny pour porter plainte contre le groupe Ubisoft. Pour commencer, peut-être qu'on peut rappeler les faits. À l'été 2020, on a vu émerger sur les réseaux sociaux des témoignages, des dizaines de témoignages, rapidement appuyés par des articles de journaux, Libération, Numérama notamment, qui dénonçaient des faits de harcèlement sexuel au sein du groupe Ubisoft avec la complicité et du management et des ressources humaines. Très vite, alors que la direction tente de noyer le poisson dans du damage control et de la communication interne-externe, Solidaire Informatique déclarait entamer une action en justice dont le dépôt de plainte aujourd'hui en est la prolongation. Cette plainte vise plusieurs personnes, et notamment M. Tommy François, pour des faits de harcèlement. Tommy François, c'est un homme si sûr de lui, si sûr de son impunité, que lorsqu'un journaliste lui demande « qu'est-ce que vous préférez dans votre travail ?», Tommy François répond « harceler ». On peut se rappeler de lui, par exemple, de son anecdote sur cette fête, cette fête professionnelle, au cours de laquelle deux collègues immobilisent une femme, tandis que Tommy François l'agresse sexuellement devant un parterre d'une quinzaine de témoins, dont le numéro 2 de la boîte, et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Le numéro 2 de la boîte est également visé par cette plainte. Monsieur Serge Asquette, directeur créatif Monde du groupe Ubisoft, pour des faits de harcèlement sexuel. À son propos, on peut se rappeler son anecdote. Au cours de cette réunion, il va dire à l'encontre d'une employée « Cette femme, c'est une mal baisée qui entrave ma créativité. Ce qu'il faudrait, c'est organiser une réunion et je la baiserai devant tout le monde parce que c'est comme ça qu'on doit traiter ce genre de femme. » Cette déclaration qui ressemble sérieusement à une menace de viol, qu'est-ce qu'il entend par ce genre de femme? Il pourra l'expliquer devant un juge. L'assistant de M. Serge Asquette est également visé par cette plainte. Un homme qui profite de sa proximité avec Serge Asquette pour tenter de monnayer les rendez-vous avec son supérieur contre des pervers sexuels. Cette personne sera, au fil des problèmes qu'il pose dans l'entreprise, déplacé de service en service et de studio en studio, toujours protégé par les services de ressources humaines. Cette protection systématique dont il jouit, systématique, on devrait peut-être même dire systémique, elle est connue jusqu'au plus haut niveau. Et ça, on le sait par la déclaration de mademoiselle Cécile Cornet. Cécile Cornet qui est également visée par cette plainte. Cécile Cornet qui déclare « Yves Guillemot est d'accord avec un management toxique tant que ce dernier est rentable. » Évidemment, cette déclaration montre qu'elle sait ce qui se passe dans son studio et qu'au mieux, elle ne fait rien. Évidemment, quand on parle de Yves Guillemot est également ciblé par cette plainte. Devant les accusations, il a tenté l'année dernière de se défendre avec une déclaration, la larme à l'œil, la voix un peu tremblante. « Ah, mais on a trahi ma confiance !» De qui parle-t-il exactement? Est-ce que c'est Cécile Cornet qui connaît depuis 15 ou 20 ans? Est-ce que c'est de M. Serge Asquette qui travaille dans l'entreprise depuis 1988? Il pourra l'expliquer également devant un juge. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cette plainte cible le groupe Ubisoft en tant que personne morale pour harcèlement sexuel institutionnel. C'est-à-dire pour avoir mis en place, entretenu, renforcé un système dans lequel le harcèlement sexuel est toléré, si ce n'est peut-être favorisé, et parce qu'il est plus rentable de maintenir des harceleurs en poste
que de protéger les salariés. Ce caractère institutionnel rend la plainte collective. Et ce qui fait que si aujourd'hui on a plusieurs ex-employés qui nous ont contactés pour construire et on va dire porter cette plainte au pénal, on sait qu'il existe de nombreuses autres victimes du groupe de par le monde et de par la France. Cette plainte collective, du coup, permet à toutes ces personnes qui ont été victimes du groupe de venir nous rejoindre, de rejoindre cette action. Et on les appelle à prendre contact avec nous, que ce soit pour porter plainte contre Ubisoft ou juste comme simple témoignage. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être ni syndiqué, il n'y a pas pour ça avoir besoin de payer de frais de justice. L'anonymat est garanti et quoi qu'il se passe, ce sera forcément avec l'accord des gens. Enfin, et pour terminer, cette plainte, ce n'est pas un fait isolé. Partout dans le monde, les salariés du groupe en ont assez de la politique d'Ubisoft, de la centralité du pouvoir, de l'impunité de ses managers, de la violence qu'il exerce envers les femmes et envers les personnes LGBT. On sait qu'il existe un collectif actuellement au Canada qui est en train de se monter et qui vise spécifiquement le studio de Montréal. On espère de vive force que de nombreuses plaintes émergeront dans d'autres pays et que enfin justice soit faite partout, partout où Ubisoft a agi et que Ubisoft rende enfin des comptes. Nous sommes fortes, nous sommes fiers. Alors non, moi aussi ça me hérisse le poil, les couleurs utilisées. Je vous invite à regarder toutes les vidéos quand même qui ont été publiées par Solidaire sur le sujet de harcèlement sexuel dans le groupe Ubisoft, parce que ça reste quand même intéressant de savoir ce qui s'est réellement passé. Et finalement, quand on entend ce qu'il dit, moi ce qui me fait le plus peur en fait dans toute cette histoire, c'est que c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi à ouvrir, à s'ouvrir et à parler sur ce sujet. Et ces personnes sont extrêmement courageuses parce qu'on est sur un système, véritablement tout le système en fait, qui est complètement vérolé en fait, pourri par la racine. C'est vraiment toute l'organisation. Courage, Zaza. Mais oui, c'est là on est sur c'est tout le groupe qui est pourri. Donc là, ils espèrent que dans d'autres pays, il y a des personnes qui vont s'exprimer. Il faut savoir qu'en France, on est quand même vachement en avance sur la lutte contre les faits de harcèlement sexuel et sexiste. Et du coup, je suis pas sûre que dans d'autres pays, les langues se délient. Après, j'espère vraiment que comme toi, hein, Nikvek, j'espère vraiment que les procès auront lieu et que les personnes qui sont problématiques dans ce domaine-là seront punies correctement, quoi, pas qu'on passera l'éponge. Et au fait, bienvenue Darkshen32 parmi nous, merci pour le follow. Donc voilà, mais c'est vrai que là, c'est pas compréhensible. Après, ça me ferait chier, en un sens, ça me ferait chier que Ubisoft se casse la gueule, parce qu'ils produisent quand même un de mes jeux préférés. Mais s'ils produisent ce jeu-là dans ces conditions-là, c'est juste pas normal, enfin, c'est pas admissible, c'est pas acceptable. De là, ouais, c'est compliqué, quoi. Allez, on va peut-être regarder des chats qui apprennent à dessiner. Bonne journée, Mimileuse. Et les chats sont captivés. C'est impressionnant. Un petit chat. Allez, sur ces bonnes paroles... Il va être temps de vous abandonner. Ah, désolé pour vos 30 minutes, votre temps de retard. Bah, c'est comme moi aussi, hein, du coup, c'est pareil, on est tous en retard ce matin. Je pense que je vais arriver au boulot avec... Non, je vais arriver à l'heure en vrai, parce que je commence à 9h30 et j'ai 15 minutes de marche. Il faut juste que je me dépêche.
Mais bref. Ouais, je suis d'accord que les mainten... ils sont maintenus. En fait, ils sont maintenus dans l'organisation alors que... Enfin, là, on parle de Asquad qui est comme... Je crois que c'est le fondateur, je crois, ou un des fondateurs, je sais plus. Enfin, le PDG, quoi. En gros, le PDG qui est un des fondateurs de la boîte qui reste PDG et qui couvre tout ça. C'est juste l'horreur, quoi. Et puis en plus, qui fait des trucs... Enfin, bref. Enfin, bref. Allez. Je vais vous abandonner, on va s'abandonner, on va tous aller travailler, et toutes aller travailler, je pense. Je sais pas si vous allez bosser, moi je vais bosser. Bonne journée à vous, bonjour Miss Julia, et bonjour le trim, vous étiez là aussi, je vous avais pas vu. Et vous pouvez dire bonjour quand vous arrivez aussi, hein, vous savez, je vous ferai un petit salut. Ah ouais, le trim, tu travailles déjà, tu trim déjà. Eh bien, bon courage pour cette journée de boulot. On se retrouve demain matin pour un nouveau live, peut-être un peu plus tôt, je l'espère. Normalement, je suis là à 7h30, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, 7h30, 8h. Tu l'avais pas. Mais c'est ton pseudo. Donc, ouais, 7h30, 8h, normalement, hein, c'est, j'arrive dans ces eaux-là. Si j'arrive vers 8h, c'est que bon, la matinée va être compliquée. Mais demain matin, je serai en télétravail, donc je serai là jusqu'à 9h, 9h30, je pense, si tout va bien. Donc je vous souhaite une excellente journée. Aimez-vous les uns les autres. Et surtout, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est important. Et on se voit demain. Passez une bonne journée. Passez un bon mercredi.